Hey, salut tout le monde, c'est ML2G et on se retrouve pour un épisode de Fall Rider. On va commencer par boire cette potion, être complètement électrisé et commencer cet épisode par un accéléré comme il se doit. Vous me direz, on peut parler un tout petit peu avant de commencer l'accéléré, hein, parce qu'en fin de compte, c'est vraiment super puissant ça. Alors attendez, mon épée là. Tiens. Ah, je vais très vite en tapant avec l'épée, ça c'est vraiment plaisant. Il va falloir qu'on essaye d'améliorer le plus de choses possible et qu'on essaie aujourd'hui de regarder un petit peu tout ce qui est scroll et potion, parce que c'est vrai qu'hier je m'étais fait la remarque, je prends pas assez de potions. Et là avec tout ce que j'ai farmé, on va dire, avec les, enfin tout ce que j'ai pu farmer aujourd'hui, parce que je tourne cet épisode là défilé par rapport à l'épisode précédent évidemment, hein, parce que bon, quand on est à fond sur un jeu on peut pas vraiment le quitter, n'est-ce pas? Je vais descendre un petit peu, tiens il y a des trésors ici, hop. Pas grand chose finalement. Donc ouais, je disais je suis déjà perdu dans ce que je voulais dire. Oui, je disais que je m'étais pas beaucoup servi des potions, mais qu'il fallait que je m'en serve parce que bah, c'est quand même vachement puissant les potions, et qu'il y a des potions qui permettent de gagner plein d'XP en fait. Et ça, il faut absolument que je regarde pour m'en faire un petit peu, qu'on essaie d'accélérer un petit peu le pas, parce que l'épisode précédent on a quand même vachement bien accéléré grâce au terrain qu'on avait acheté dans cette zone là, qui nous a permis d'avoir des orbes. Et du coup les orbes aujourd'hui on peut les faire, on peut les faire. Coûte un peu cher, il nous faut des étoiles filantes, mais on peut les faire aujourd'hui les orbes. Oh la vache, regardez comment ça va vite. Oh, c'est cool ça. C'est cool. On va remonter, récupère ça, tu vas remonter par là, voilà, impeccable. Oh, cette quarry. La quarry, nice. Bon allez, oh bah c'est, on est coincé, on va creuser. On se retrouve après l'accéléré. Ok, ma potion ne fait plus son effet, et il y a déjà des items que je ne peux plus prendre dans mon inventaire, j'ai trop de trucs dans mon inventaire. Ça veut dire que j'ai peut-être récupéré un trésor, en tout cas c'est sûr que l'œuf en or, ça c'est cool de l'avoir récupéré. J'ai récupéré plein de scrolls aussi, donc ça c'est cool. On a ce scroll là, c'est lequel déjà celui-là? Ça c'est le Demon Scroll, lui il est pas mal, on va s'en servir tout de suite, il faut qu'on les dépense de toute façon. Et on va se mettre là-dedans pour l'utiliser. Parce que vous allez voir que c'est quand même assez dingue comme truc. Parce qu'on peut faire beaucoup de dégâts. Pousse-toi la vache. Voilà. Donc Demon Scroll. Waouh. C'est vrai que je peux me prendre des dégâts aussi avec le Demon Scroll. Hein. J'avais oublié mais... Mange. Voilà. Demon Scroll, let's go. Voilà. Ouais, ça dégage une grosse zone quand même. Ça dégage une bonne grosse zone. Ça va permettre à mes machines d'aller plus vite. Donc, tant qu'à faire, hop, on va accélérer ces machines-là, comme ça, zéro plus vite. Et puis c'est avec celle-ci qui m'intéresse. Oh, tu me diras, il y a celle-ci aussi qui m'intéresse. Hop. Et vu que je me suis fait de la place dans mon inventaire, je vais pouvoir racheter celui-là. Voilà, que je vais pouvoir aller mettre dans le musée. Parce qu'on l'avait récupéré, celui-là, mais on l'avait utilisé pour une quête. Donc, mettons-le dans le musée maintenant. Ici. Bien. Voilà. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire, non, ici je l'ai eu. Tiens, voilà. J'allais dire, il m'en reste un. Ouais, c'est bon, il m'en reste un que je peux lui donner. Nice. Le cuir, j'en ai beaucoup, mais il faut que je le garde. Alors, du coup, qu'est-ce qui me manque là-dedans?
Ah, les fleurs. Les fleurs, je pense que je dois les avoir, ces deux-là. Ok, et ici, ça va être le dernier que je peux pas tout de suite. Là, c'est... Ouais, là, les popos. Ok. Let's go. Hop, on repasse par là. J'ai récupéré pas mal de bestiaux aussi qui traînaient un petit peu à droite à gauche pour plus tard mes potions. Mais là, on va aller regarder qu'est-ce qu'on peut crafter. La Skull Bow. Ok. Demon Sword, on peut pas tout de suite, il va falloir attendre. Robotic Shovel, ça je veux, mais waouh. Void Rose, plastique, électronique. Ok, cette shovel, on attend un peu. Hein. On a du Royal Closing à crafter avant. Oh, mais on peut faire ça. Oh, c'est tentant. Hein. Ah, tu me diras, ça je peux les faire maintenant. On va d'abord faire le Royal Closing. Il m'en manque 5. Go. Go faire les 5. Est-ce qu'il est. Non, il est pas dans la range, lui. Ah, zut. J'aurais peut-être dû les faire en dessous. Oh bah tu me diras, c'est fini maintenant. Donc du coup ce scroll là avec la pioche, ça permet de faire spawner pas mal de minerais si on est en manque de minerais. Donc par exemple ici, voilà. Voilà. On a plein de minerais, donc c'est plutôt cool. L'autre avec l'arbre, on l'avait déjà vu, hein, ça permet de spawner énormément d'arbres. Bon par contre maintenant que j'ai installé ça ici, j'ai l'air un petit peu voilà, embarrassé. Parce qu'il faut que je me débarrasse de tout ça. Donc, bah, on se remet en accéléré très rapide pour que je puisse vider tout ça, là, hein. Bon, je vais m'arrêter là parce qu'au final, ça commence à devenir un petit peu chiant de tout creuser là. Et puis tout à l'heure, il me dit que mon inventaire est plein. Et j'ai pu voir que les poissons, je peux pas les récupérer pour l'instant. Ah, ça y est, je peux les récupérer les poissons maintenant. Ok, il y avait des trucs que je pouvais pas récupérer. Donc là, faut que je fasse quelque chose pour mon inventaire. Mes vaults sont pleins. Donc je pense que je vais en prendre un autre. Tout simplement. Et commencer à stocker des trucs là-dedans. Oh bah tiens, regardez. On a récupéré des trésors. Cool! On va ranger les scrolls là-dedans, on va ranger tout ce qui est fiole aussi là-dedans. Ça peut être pas mal. Ouais, on va ranger ça comme ça là-dedans, c'est très bien. Du coup, celui-ci, on va le mettre avec l'autre. On va récupérer ça, ça et contrôle. On va juste en prendre un pour le remettre dans notre musée. Oui. On va stocker ça là-dedans et on va loquer tout ça ici. Ok. Ça, maintenant que c'est fait, on va se rendre au musée tout de suite, déposer ce trésor. Comme ça, ce sera fait. Voilà. Tac. Donc ça, je l'ai récupéré dans un as. Je crois bien. Ça, va falloir que je le récupère en creusant. Et ça, c'est pareil. Je crois que c'est en creusant que je peux le récupérer. Hein. Et pas forcément dans un as. Enfin, je dis nas, mais c'est... fish trap, quoi. Le... Voilà, pour choper les trucs avec les poissons. Du coup, là-dedans... ouais, celui-ci, on pouvait se le faire à contre du style. Je vais me le faire parce que du coup, tant qu'à faire, les autres sont toujours en train de travailler. Royal Steel, si je t'en demande beaucoup, oh, je t'en demande 10. On va pas le trop abuser là-dessus. Le steel, par contre, waouh. Le steel, alors ce qui aurait été bien ici également, 300, c'est pas grave, c'est pouvoir noter en fin de compte exactement la quantité qu'on aurait aimé. Ça aurait été chouette. Ça aurait été chouette. Alors vas-y, accélère-toi. Parce que t'es le dernier. Oh, tu me diras, pendant que tu fais le dernier ici, on peut peut-être aller se faire les papiers qui nous manquent pour le bouquin. Et j'ai hâte de voir c'est quoi le prochain bouquin qu'on va devoir se faire. Mais là, pour les grandes têtes de squelettes, je suis content de les avoir. Je suis vraiment content de pouvoir les avoir. Parce que ça, c'est quelque chose qui nous manquait pour progresser dans la partie. Hein.
Ok, ça c'est fait. On va... Oh, bah ça y est, j'ai récupéré l'arc. Regardez tous ces poissons là. 5 attaques damage, 10 bonus damage to boss. Ok. Donc ça fait des attaques damage en plus au boss. Voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir. Poisson. Hop, je récupère tout ça. Hop. Ici, paper, max, la moitié. La moitié, c'est pas mal. Ici, ça a terminé de travailler. Ça, ce qu'il nous faut, ouais, c'est du purple pigment. Ça, c'est mort pour l'instant. Et ça, en fin de compte, ça peut-être se faire avec le temps. Parce que les Ankh, on les a. Les Sunken Ankh, il nous faudrait plus de fish trap dans le désert pour avoir plus de chance d'en avoir. Et les Star Fragment, il faudra que je fasse les scrolls pour pouvoir les faire popper. Et Great Skull, j'en ai suffisamment, je pense, pour le moment. Donc je vais lui... Ah, quoique. Ouais, non, je vais pas m'embêter avec ça. Je vais garder les os. Donc je vais le laisser tranquillement ici. Hein. Alors tu t'en vas. Tu t'en vas. On a encore plein de fioles, donc on va capturer toutes ces bestioles qui traînent. Comme ça on les aura avec nous. Ok, tout le poulet tu t'en vas. Voilà, tu dégages toi aussi, tu dégages s'il te plaît. Voilà. Très bien. En termes de potions, qu'est-ce qu'on peut se faire? Ça me permet de faire quoi? Make it easier to find more rare items. Ah ça c'est bien ça. Ça permet de trouver plus facilement des items rares. Donc en gros, si je creuse ici avec la potion, j'ai plus de chances de choper un item rare. Ah ah. Ok, donc on va éviter de creuser dès qu'on verra un trou. Salos terminé. Ah, je vais pouvoir faire mon bouquin. Cool. Je vais directement me faire mon bouquin avant de crafter quoi que ce soit. Vas-y, arrête ça. Hop. Bouquin. Et on va lui demander d'accélérer. Parce que ça va nous permettre de gagner de l'XP en plus. Et d'aller plus vite dans la... Bah dans la récupération d'XP, vu qu'on récupère d'XP en plus. Ça me paraît logique un petit peu tout ce que je suis en train de dire, non? Ok. Je vais capturer ces petites bestioles. Voilà. Il faut que je fasse un four qui me cuise. Ah, j'ai plus de four de dispo. Ah bah écoutez, si on a plus de four de dispo, c'est pas grave, on va en faire un autre. Voilà. Et toi, tu vas me faire du verre, max. Go. Viens là, viens te battre. Nul, tu es nul. Chopons celui-là. On va choper les petites fées aussi, tiens, hop. Parce que là, faut que j'essaie de récupérer un maximum de bestiaux en bouteille. C'est quoi ça? Récupère celui-là. Oh, fais gaffe, le slime. Ouh, ça y est, j'ai eu le bouquin. Gain d'XP augmenté de 60%. Parfait, ça fait plaisir. Refaisons le tour. Tiens, récupère un peu tout ce qu'il y a là. Dégage-toi. Merci. Ok. Là où il y a de la place là. Et tiens. Ah non, ah, c'est pour le sable, ok, ouais. Normal. Normal. Alors, on a une autre potion assez rare là. On peut en faire une autre ou pas de potion? Ah oui, ça c'est bien ça aussi, pour gagner de l'XP. Du coup, le prochain va me demander du plastique. En soi, le plastique, 15. Je crois que le plastique va me demander du oil. Oil qui veut tout simplement dire pétrole. Hein. Ça, depuis le temps qu'on joue à Minecraft, on devrait le savoir. Plastique. Ouais, c'est ça, il me demande de l'oil. Et puis du Royal Closing. Ça coûte plus cher qu'avant. Hein. Ça coûte vraiment plus cher qu'avant maintenant. Hein. Ah, j'ai l'impression de jouer en version hardcore, quoi. pareil, les locomotives, rail. Tiens, d'ailleurs, ça coûte combien ça? Waouh! Waouh! Pareil, le plastique, de toute façon, au bout d'un moment, on pourra l'avoir très facilement quand on aura la méga pelle, parce qu'on pourra creuser pour du plastique. Donc, peut-être qu'on va attendre ce moment-là. Alors, fais voir l'amulette. Ah, il me faut le Frozen Relic, donc ça, on l'a toujours pas. Il faut qu'on installe... Tiens, on va installer un shrine, là-haut. Vous savez quoi? On aura peut-être des chances de choper le, truc qu'on veut. Hop. Je vais peut-être faire un petit coup bas au jeu là. Je vais voir ce que je peux faire. Où est-ce qu'on peut s'installer? S'il vous plaît. Ah, il y a plein de papillons là, faut que je les chope. Hop. Tu me diras, j'ai plus de quoi en faire. On va faire des fioles. Oh là là, je peux plus passer nulle part quoi. Laisse-moi passer. Oh, laisse-moi passer. Bottle, max. On va les choper. Cette potion là pour l'XP et cette potion là, je pense qu'elles iront bien ensemble. Je les prendrai en même temps le moment venu. Tu me diras, je vais peut-être les prendre maintenant. Vu qu'on veut faire de la place là-bas. Ouais, je les prends maintenant. Allez hop. Donc là, on gagne
Gain d'XP, double gain d'XP. Et marqué fully heal health and energy when gaining a level. Ok, bon, ça, ça va. Et du coup, on reprend cette potion qui nous permet. Ah non, c'est luck ça. Ça peut faire tomber les étoiles filantes, c'est ce que j'ai. Oh, j'ai pas fait gaffe, mince, je pensais que c'était l'autre potion qui permettait d'avoir l'électricité. Oh zut. Bon, c'est pas grave. L'idée là, c'est que on dégomme toute la zone à droite assez rapidement. Mais t'es fatigué, c'est bien. Ok. Pour qu'on installe un shrine. D'ailleurs, est-ce qu'on a assez pour s'installer un shrine? Yes. On peut l'installer tout de suite ou pas? Non, on l'installe tout de suite, comme ça c'est fait. Et donc en gros, on va tout vider. Et en fin de compte, la potion que je viens de boire, c'est pour choper plus de trésors. Hein. Donc, ouais, j'ai un peu fait le couillon là. Surtout que ça c'est long à casser. Oh là là. Zut, j'aurais dû faire ça avant. Bon, tant pis. C'est le jeu. J'ai pas fait gaffe, c'est comme ça. On enlève déjà ce qui peut s'enlever facilement. Voilà. En fin de compte, le shrine, s'il nous permet d'avoir des trous creusés avec la pelle, on a des chances d'avoir chopé le. On a des chances de pouvoir choper, pardon, le trésor qu'on veut. Hein. Donne-moi ça, toi. Mange. Voilà. Allez. Bon, j'aurais dû peut-être récupérer ta laine avant, toi. T'es un peu fou de faire ça. Là, il y a plein de papillons. Donne. Plus de papillons ici. Plus de papillons ici. Voilà, merci. C'est la potion, j'en ai encore pour 5 minutes. Mais bon, c'est vrai que c'est un petit peu embêtant. Oh, casse-toi le mouton. Ok, ça, ça bouge. Voilà. Je pense que là, on devrait avoir une zone plutôt bien dégagée. Je vais peut-être pas aller jusqu'au bout parce que... Ah si, allez, je vais aller jusqu'au bout. C'est long, mais si on peut vraiment avoir toutes ces zones-là où on peut creuser, on a vraiment beaucoup plus de chances de choper les trésors. Hein. Tu me diras, à chaque fois qu'on pète un truc, on a quand même plus de chances par rapport à d'habitude de choper des gemmes dans les cristaux qu'on casse, quoi. Oui, t'es fatigué, je le sais. Moi aussi, je suis fatigué de faire des bêtises, donc tu feras avec, mon ami. Allez, voilà. On a encore plein de papillons qui traînent, hein. C'est long. Pareil, vivement qu'on puisse avoir la nouvelle pioche là. Oh. J'ai oublié qu'est-ce qu'elle demandait. Parce que j'ai une mémoire de merde. Donc il va. Mais prends. Prends. Mange un bout. Voilà. Faut pas trop qu'on traîne non plus pour tout casser parce que. Ça peut repopper à n'importe quel moment. Hein. Et là, si ça repop une fois que j'ai tout cassé. Oh là, je crie. Hein. Bon, je vais peut-être pas crier parce qu'il est tard. Ok, cool. Dis-moi que je peux creuser. Yes! Oh là là! Go! Vas-y. J'ai vraiment eu un coup de bol pour pouvoir creuser ici, en fin de compte. Hein. Donc là, on récupère tout ce qu'on a pu choper. Voilà. Là aussi. Ok, alors, est-ce qu'on a eu les trésors? Oh, on n'en a pas eu un seul! À moins que j'en ai eu et que ça a été stocké et que c'est pas... J'allais vérifier. Oh, please, laissez-moi passer. Voilà. C'est ici qu'il faut voir. Ah non, j'en ai pas chopé un seul. Hein. Oh. Oh, j'ai pas eu de bol. J'ai vraiment pas eu de bol pour le coup. Vous savez quoi? C'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Donc on va se rendre. Là, il y a plein d'arbres. On va dégager les arbres qui sont ici, là. On va installer un autre shrine dans la zone. Et on va retenter. Mais bon, avoir deux fois le coup de pouvoir creuser, c'est pas... Ah, je pense pas avoir deux fois la même chance, mais on sait jamais. On sait jamais. Oh la vache, ça va être encore long. Oui, 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 oui. Ouais, puisque ma potion date de... comment? De luck, ce serait dommage de l'envoyer en l'air comme ça. Ou alors j'installe ça dans l'autre zone. Ouais, non, j'ai pas besoin de l'autre zone pour l'instant. J'ai vraiment besoin des... des trésors glacés. Oh, please, arrête de taper les plateformes. Il devrait y avoir un truc spécial pour empêcher de taper les plateformes, là. Ok, hop, hop. Allez, les vaches, les moutons, pardon, ça dégage. Le shrine, je vais pouvoir me mettre juste à côté de l'autre, finalement. C'est pas mal.
Et il me semble qu'on peut casser les shrines et les réinstaller. Ok, je vais voir si je peux m'en réinstaller un. Non, il manque de la brique. Oh, vite, la brique. Descends, 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 descends. Passe par là, vite, 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 vite. Allez. Oh, 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 t'es coincé. Il y a trop de trucs. Brique, brique. Arrête le verre. Brique. La moitié. Wow. Ok, bon, c'est pas grave. Fais la brique. Repasse par là-bas. Plus tard, on aura les chemins tout faits. Il n'y aura rien qui poussera sur les chemins. Et on pourra passer tranquille ici. Hein. Parce que c'est vrai que pour le moment, c'est un petit peu la galère pour passer. Hein. Ok, il me reste 2 minutes de chance. Est-ce que ça va le faire? J'espère vraiment que ça va le faire. Faut que j'enlève le plus d'arbres possible en fin de compte. Hein. Donc il faut que je passe par là. Allez, voilà. Il est pas cassé lui, casse-le. Voilà. Nice. Et là on enlève tous les arbres. Enfin, quand je dis faut qu'on enlève tous les arbres, enfin le plus d'arbres possible, c'est tout simplement pour avoir plus de chances d'avoir des trésors. Hein. Ok. On va en profiter pour reboucher ça. Ok, nice. Ok, alors le shrine. Est-ce que je peux l'installer maintenant? Ah, il me manque 3 de briques. Mais c'est pas vrai. Eh ben, on continue. J'espère que les 3 briques vont pas mettre moins d'une minute. Plus d'une minute à venir. Ah. Je regarde le time là de mon truc là-haut là. C'est flippant. Au pire, hein, j'ai raté. Hein, je me referai la potion, c'est pas très très grave, mais quand même, c'est un petit peu embêtant. Hop, hop, hop. Voilà. Allez, voilà. Pire les pipi, 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 pire les pipi. Ok. Dis-moi que je peux maintenant. Yes. Dis-moi que je peux creuser. Non, dommage. Hmm. Bon, bah les structures vont aller 2 fois plus vite. En tout cas, ce sera déjà ça. Et donc, quand on parle de structure, on parle également des nasses. Hein. Enfin, j'appelle ça des nasses, mais c'est vrai que j'appelle les nasses. Hein. C'est quand je jouais avec la version française du jeu. Et ce sont des fish traps, n'est-ce pas? Ok. Très bien. Donc, du coup, ici, est-ce qu'on peut en réinstaller? Absolument. Ok, ça devrait être pas mal ici pour choper d'autres trésors. Je pense pas en réinstaller ici. Hein. Ouais, je pense pas en réinstaller. Ok, alors laisse-moi passer. Laisse-moi passer. Ouh, crafter 10 000 items. Pas mal. Pas mal, pas mal. Tiens. Ok. Alors, du coup. Oh, la prochaine pioche. Allez. Regardez comme ça va aller vite. Ouh. Ouh, ça s'est calmé. Non, c'est bon. Oh oui, merci. 3 attaques damage en plus. Et les ressources et les plantes peuvent dropper des gemmes. Ah, ça, c'est cool. Du coup, normalement, je devrais aller plus vite pour miner ça. Tu me diras, il faudrait les gants pour vraiment être sûr d'aller plus vite. Oh, ces trucs-là, je vais pas me les casser tout de suite. Hein. Du coup, on va regarder. Skull Globe. Go. Oh, ça s'est arrêté. Non. Non. Donne les gloves. Donne. On va regarder au marché s'il y a des choses intéressantes à acheter. On a les shrines ici aussi qu'on peut réactiver. Alors. Lui, je l'ai gelé avec ma superbe épée. Hein. On mange. Voilà. Évidemment, on est bloqué de partout. Il y a trop de trucs partout. Le poulet, il dégage. En fait, si je peux creuser ici, ce serait bien qu'on dégage tout déjà. Hein. Voilà. Dégage. Ok, ça va pouvoir le faire. Les gloves. Donc on va plus vite maintenant. Oh oui. Oh, ça ira bien ça. Oh. Ouais, je vais prendre ça même si ça me sert à rien pour l'instant. Et du coup on va faire ressources. Double drop item. Item collecté instantanément. Ça c'est bien aussi. Donc oui, je voulais regarder le marché, tiens. Le marché, il vend rien d'intéressant. Donc celui-ci coûte plus cher maintenant à la vente. C'est bien, c'est bien. La viande, pour l'instant j'en ai pas besoin, donc je vais vendre la viande. Les flèches, j'en ai beaucoup en vrai. Hein.
J'ai vraiment beaucoup de flèches. C'est cool. Je pensais ça que j'avais fait de la place dans les vaults. Et mes vaults. Ouais, j'avais fait de la place dedans. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu les prends pas? Pourquoi il les a pas pris? Je sais pas. Je sais pas pourquoi il les a pas pris. Ma foi. Le fourneau, je sais plus à quoi il pourrait nous servir, mais on va le garder pour l'instant. Faudrait que je trouve de la place dans un vault. Du coup, les Crystal Gloves vont me coûter 10, 15. Royal Closing. Royal Closing, 9. Parce que c'est le cuir qui nous manque. Let's go pour le cuir. Donc du coup, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode, les amis. Ou double item. Ah oui, c'est vrai que ça fait... Ouais, quoi que j'ai eu de la chance. Donc je disais, on s'arrête là pour cet épisode, les amis. J'espère qu'il vous aura plu. Prochain épisode, je pense qu'on essaiera de donner les 10 000 à elle. Parce qu'on va pouvoir récupérer plein de pièces au niveau des banques là-bas. On verra comment ça se passera. Et on avancera sur la quête de récupérer d'autres items pour avancer, etc., etc. En tout cas, j'espère que cette série vous plaît toujours autant. Moi, je prends toujours mon pied à tourner dessus et à y jouer. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Portez-vous bien et à bientôt. Bye.